Bien sûr qu'ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait rien à trouver. Personne ne peut m'atteindre, et tu le sais. Si Logan est derrière tout ça, je veux sa tête, compris? J'écoute. Quoi? Comment aurait-elle pu s'échapper? Mais c'est quoi ce bordel? Où est Logan? La base est bien gardée. L'équipe 2 devra être prudente. Il y a combien de soldats? Elle ne sait pas. Mais attends-toi au pire. Ivankov doit garder ses meilleurs hommes à l'intérieur de la base. Le nombre ne changera pas grand-chose. On a combien de temps? On n'en a pas. La limite donnée par le Politburo est demain minuit. Il faut absolument arrêter Ivankov avant. Voilà. C'est le moment que nous attendions. Allons-y. Gabe, attends. Je voulais te dire que j'étais désolée. Tu avais raison. Si tu n'étais pas allée à Zurich, on n'aurait jamais retrouvé la base Ivankov. Non, Liane. C'est toi qui avais raison. Je n'y suis pas allé pour les bonnes raisons. Et j'ai eu de la chance. Ne t'inquiète pas. Ça m'a remis les idées en place. Et je sais exactement ce que je dois faire. Что-то не так я это чувствую. Я меняю график. Мы должны начать процедуру запуска немедленно. Нужно, чтобы нижние тоннели все немедленно переобились в противопожарные костюмы. Вы четверо. Мои старшие офицеры. Люди выполняют свой долг, товарищи. Я это надебалюсь. Когда наступает конец, мы все готовы умереть за наше дело. Мы не допустим, чтобы смертью Живкова, Пуликовского и Ющенко оказались напрасны. За наше дело! J'entre par le nord et je me dirige droit au silo. Bonne chance. On va faire ça dans les règles. Choisis bien tes cibles. Notre objectif principal est de désactiver et de détruire ce missile. Selon les infos que Gabe a récupérées au Monténégro, Ivankov et ses quatre lieutenants sont là. Si tu les vois, tu les élimines. Vladik Savin, c'est un autre lieutenant d'Ivankov. Bien, Savin a eu son compte. Il faut m'en laisser un peu. L'alerte a été donnée. On ne joue plus aux gentils. On va se les faire franco. Stone, commence à poser les explosifs. Une fois le missile détruit, je veux que les équipes sortent rapidement. J'ai compris. Il faut que tu trouves l'héliport d'Ivankov et que tu démolisses son coucou. Je ne veux pas qu'il puisse partir d'ici. C'est le chef de tank d'Ivankov, Yushakov. Élimine-le. Bien joué, Gabe. Yushakov est mort. Bravo, continuez comme ça. Tous les accès souterrains sont fermés. Je vais essayer de les ouvrir avec le système de secours. Attendez mon signal avant de descendre. Thank you.
C'est bien, on approche de la cible. J'ai trouvé la commande de secours. Les accès au complexe souterrain devraient être ouverts. Ils mettent le missile en position de lancement. Il faut que tu atteignes les commandes avant qu'il n'arrive sur la plateforme de lancement. Je confirme ce que Mara disait. Ce missile est équipé d'une tête nucléaire. Je répète, ce missile est équipé d'une tête nucléaire.
Vous faites quoi, là? On n'a plus beaucoup de temps. Gabe, ils ont trouvé où Ivankov garde ses fichiers informatiques. Excellent. Elsa et Lorenz vont sûrement sauter de joie. Thank you.
zone d'extraction. Je prépare le kit de secours. Je t'avais demandé de te ramener. Laisse tomber. Je me sentirai tout seul. Charge. Bien compris. Je fais tout sauter. J'y vais. Thank you.
les systèmes de guidage du missile. Si on ne peut pas empêcher le décollage, on peut éviter qu'il touche Moscou. J'ai besoin qu'on couvre. Tu as terminé la mission en un temps record. C'est... On aurait dû empêcher le lancement de ce missile. Le missile n'atteindra pas Moscou. Je m'en suis occupé. Nous avons sauvé 10 millions de personnes. C'est déjà pas mal. Quelle vie a-t-on sacrifié pour les habitants de Moscou ? Je dois assister à une rencontre au sommet la semaine prochaine pour voir si je peux empêcher une guerre. Fermez tout et rentrez chez vous. Une fois que tout sera terminé, nous parlerons de la suite. Bien, monsieur le président. Il n'a pas l'air content. Non, pas vraiment. Le monde est passé près d'une guerre nucléaire. Les retombées de la bombe ne sont pas les seules dont il faille s'occuper. Voici les derniers rapports de la Croix-Rouge. Le vaccin est efficace. Ça valait le coup. On n'aurait sûrement pas réussi sans l'aide de tout le monde. Où est le docteur E? Elle n'est pas encore revenue d'une réunion de l'Organisation Mondiale de la Santé. Ça fait des jours qu'elle n'a pas appelé. Dis-lui de passer me voir en rentrant. Je veux la féliciter en personne. Alors c'est vraiment terminé cette fois ? Difficile à croire. Sans le virus Siphon Filter, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Je m'inquiète pas. Viens, ma chérie. Allons chercher ton équipement. Merci, Stone. Ça fait plaisir d'être de retour. Et là, on est censé se préparer pour une petite fête. Alors, allons-y.
revoir, les gars. Où est le docteur Elsa? C'est pas vrai. Où sont les fous? Comment ont-ils pu pénétrer dans le système informatique? On a un problème, Mihai. Oui, je sais. Je ne veux pas vous retenir. Je suis toujours prêt. Ça, c'est ce que tu crois. J'y réfléchirai, mais je ne peux rien vous promettre. Je crois que j'en ai terminé avec les promesses. Au revoir. Cher Mara, je tenais à vous remercier pour votre aide. Sans vous, de nombreux innocents seraient morts. Vous trouverez ci-joint une copie du contrat que vous avez passé avec l'armée du Myanmar et qui s'est traduit par la mort de 291 innocents, parmi lesquels mon ami Imanigré. Je voulais vous laisser prendre votre retraite comme convenu, mais finalement le prix est trop élevé. Je sais que vous comprendrez. Signé Gerblog. Bonne nuit, ma